Coucou, je viens de vous tourner un petit haul action. Vous l'aurez probablement déjà vu. Mon thé qui est trop chaud que je vais mettre là en essayant de ne pas le renverser. Et je vais vous faire l'ouverture. Non, pas ça. L'ouverture de courrier. Je suis arrivée ce soir là du boulot. On est lundi. Et j'avais trois courriers dans ma boîte aux lettres. Donc c'est plutôt cool. Donc il n'y a pas marqué si c'est... Ah si, défi. Bon, il y en a une, c'est marqué défi, mais les deux autres, c'est pas marqué défi. Donc c'est pas grave. On verra bien. Donc j'ouvre la première qui me vient de Valérie S du 13. Voilà, je vais tout racheter. Oh, elle est jolie ta découpe. Hop, le bonheur. Alors, peut-être il faut que je cherche un animal ou pas. Attends, je vais lire la carte avant. Parce que ça sert à rien que je cherche si c'est s'il faut pas chercher. Coucou Corinne, et une petite carte de plus pour toi. Du pastel, oui, des fleurs. Hein. Allez. Et un petit animal qui se cache. Alors, défi ou pas défi? Alors, petit animal qui se cache. Ah oui, je l'ai trouvé. Je vous montre la carte. Si vous voulez chercher la petite animal, je vous laisse chercher. Bon, c'est bon, ça suffit. Faites pause. Revenez en arrière et faites pause. Par contre, je ne sais plus à quel numéro je suis. Je ne sais plus. Je les ai rangés derrière. Bon, je fais. C'est moi qui fais une petite pause là et je vais aller voir mes numéros. Voilà. Me revoilà. Donc, la dernière carte, si je ne me trompe pas, c'était 22. Donc là, on en est au 23. Donc j'ai trouvé, peut-être je vais vous donner la réponse quand même. C'est ici, vous avez une petite coccinelle qui a été tamponnée. C'est super discret. Franchement, si je ne savais pas qu'il y avait un truc à chercher, de prime abord comme ça, on ne la voit pas. Hein. Non, non, on regarde vite fait, on ne la voit pas. Franchement, bien joué, défi relevé. Chapeau. Non, c'est vrai, c'est cool. Et j'ai accroché partout. Hop, voilà. Je vais poser là pour l'instant. Et hop, ça me gratouille. On continue. Regardez, là, j'ai une enveloppe avec un joli ruban. Je suis étonnée que les rubans ne soient pas volés. Ou arrachés, ou quoi que ce soit. J'ai même pas regardé de qui ça me venait. Je suis en train d'enlever le ruban. Hop. Hop. Alors... Voilà. Et le petit ruban, je le garde. Et c'est Julie du 26. Julie qui fait aussi des super créations. Ici. Je ne vais pas le sortir. Mais alors. Voilà. Ouh, une jolie enveloppe comme j'aime. Ah bah dites-moi ça me chatouille. Oula. Oula là. Une carte, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une carte à tirette. Enfin non, enfin. Ah, je ne sais plus. Donc. Ah, sympa. L'idée, elle est géniale. Oh, l'idée, elle est géniale. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez. Hop. Hop. Ouais, bah, comme ça, c'est pas évident. Hein. Oui, je me parle à moi-même. Alors, voici ma participation pour le défi de mai. Tu ne devrais pas chercher trop longtemps. C'est un premier essai suite au tuto de la scrapoteuse. Ah, je ne connais pas.
Oh ben, j'irai voir parce que c'est sympa. J'aimerais bien refaire une carte comme ça. Ah, c'est vraiment sympa, franchement. Bon, bah, j'ai trouvé le papillon, hein, voilà. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Merci, belle découverte. J'ai bien vu les petites bandes là et je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était au premier coup d'œil, les trucs quand on tire, vous savez, puis que ça se déroule. Enfin, des fois, c'est fait avec des cœurs et tout ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On tire la languette et en fait toutes les pages elles arrivent. Enfin bon, bref, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, mais moi je me comprends. Donc c'était 23 et toi Julie, on va te mettre 24. Et je n'arrive pas à le remettre dans l'enveloppe. C'est très très sympa. Et tu l'as fait au millimètre près, hein. Dis-moi que toi aussi t'as galéré. Ah non, c'est bon, c'est rentré. C'est rentré tout seul après. Bah merci, merci, merci Julie et merci Valérie. C'est ça Valérie? Oui, c'est ça. J'ai eu peur de dire des bêtises. Vous savez, des fois on peut dire un prénom pour un autre prénom. C'est pas méchant, c'est. Alors, ne pas plier, merci. Carte défi de mai, Coco, joli mois de mai. Donc là. Nigier Snowy. Pascal de Vichy. Regardez. Alors, attendez. Je vais mettre mon bras. Regardez. Nigier Snowy en image. Tu vois? Ça, je vais sûrement le récupérer. Ouais, il est bien collé. Je crois que je vais découper l'enveloppe après. C'est tout à fait ça en plus. C'est Niji qui vient embêter ce oui qui est tranquille. Ouais. Je vais le découper tout de suite. C'est mon petit. Oh là là! Il y a plein de choses ici. Oui, je le découpe tout de suite. Parce que sinon, je vais le poser et je vais plus y penser. Voilà. C'est mignon comme tout. Bon, l'enveloppe, elle a pris cher, mais c'est pas grave. Alors. Ouh là là, il y a plein de choses. Alors, je sais pas par où commencer. Alors, bah, ça doit être l'enveloppe ici, le petit mot. Alors, une petite carte comme ça, avec hop, la petite bande et la petite lettre qui est à l'intérieur. Bonjour Corinne. Débrouille-toi pour trouver les animaux. Ah bah ça, c'est... Merci, hein. Terminator, oui. Alors, j'espère que tu vas bien. Voici ma participation au défi de mai. Joli mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Alors, on se fait plaisir. Débrouille-toi pour trouver les animaux. Oh. Bah non. Débrouille-toi. Bon. Hop, je leur glisse dedans. Bon, bah, je vais me débrouiller alors. Donc, joli mois de mai. Ben non, j'arrive pas à l'ouvrir. Débrouille-toi. La fille, elle revient pas. Joli mois de mai. Donc une. Ah, oh, jolie, c'est sympa. Ok. Hop, et c'est collé sur du transparent. C'est très sympa.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Non. Ah oui. Donc, ah oui, ils sont à peine visibles, c'est bien. Alors, nous avons un papillon. Une noix, je pense. Et un chat. Voilà. Et des fleurs. Voilà, je regarde un peu partout hein, quand même. Hop. Alors, j'ai vu un papillon, une noix et un chat blanc. Le chat blanc, il est bien camouflé. Hein. Eh ben, écoute, défi relevé. Hein. Attendez, je regarde quand même dans les fleurs. Parce que des fois, hein, vous faites des trucs. Hein. Non, ça va. Non, ça va. Bah écoute, défi relevé, très fleuri. Trois animaux en plus à retrouver. Donc c'était fort sympathique. Et une autre enveloppe, une autre pochette. Joli mode. Oh, il y a les minettes. Oh, ça tourne. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Regardez. C'est une carte. Et en fait, derrière, ça tourne. Voilà, on peut la faire tourner. Et derrière, il y a Niji. Ensuite, oh ben il y a des chats partout. Voilà, c'est l'invasion des chats. Là, il y a deux chats. Là, il y a encore un chat. J'ai vu un petit chat blanc là. Voilà. Y en aurait-il ailleurs? Non. C'est bien la carte qui tourne comme ça. Ça me donne une idée, ça. C'est bien, les filles, vous me donnez des idées, j'adore. Joli mois de mai. Hop. Je regarde entre les trucs s'il n'y a pas un autre animal qui se cache, hein, on ne sait jamais. Bah écoute, tu m'en as mis partout des petits animaux, c'est cool. J'ai cherché partout. C'est joli ça. Enfin, j'aime beaucoup l'idée là de ce rond qui tourne. Franchement sympa. Oui, je m'amuse avec. Bref. Bah, merci beaucoup Pascal. Très sympa. Tu feras des gratouilles à Terminator. Voilà. Et puis merci pour cette jolie illustration que je vais bien entendu garder. Oh non, je vais pas la décoller, je crois que je vais bien la découper tout autour. Parce que je me suis dit, je vais peut-être la décoller de là. Mais je risque de l'abîmer. Donc, il faut mieux que je la découpe proprement tout autour pour la récupérer. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment Niji qui vient l'embêter. Voilà, là, elle est peinard sur sa balance. Et l'autre, elle vient l'embêter. Bah écoutez, les nanas, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi de découvrir les créations. C'est vraiment sympa. Là, vous voyez, la barrière, elle est sur un morceau de rhodoïde. Je sais pas si... Là. Oui. Hop. Je trouve que c'est sympa. Voilà, il y a plein d'idées. Vous avez plein d'idées sympas. Et je vous en remercie parce que vous êtes une véritable source d'inspiration. Mais vraiment, vraiment. Je t'ai pas mis le numéro, dis donc. 25. Hop, voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.